Bonjour, on se trouve en cette belle journée, en ce bel, oui, très journée très ensoleillée, pour aller voir notre joli petit cheval qui s'appelle Wonder Moon. En effet, après quelques jours de travail, on l'a engagé sur un tout petit complet, sur une épreuve très facile et donc totalement accessible pour lui. C'est pour cela que j'ai décidé de vous emmener avec moi et c'est parti! Déjà la veille, j'ai pris soin de le pionter. Il a dormi au box exceptionnellement et il a été mis au poste de soins afin que je puisse m'en occuper, puis le charger tranquillement dans le vent direction la halle équestre. Je prends soin de le brosser bien tranquillement, puis de lui curer les pieds. Je le sens légèrement agité. Une fois cela fait, je lui mets ses petites protections de transport et nous sommes fin prêts. Je me dirige donc tranquillement vers le vent. Il est tout juste 8h et mon premier passage est à 9h30. Nous avons bien 20 minutes de route, du coup j'aurai le temps tranquillement après là-bas de le seller et de me préparer. J'ai quand même choisi de le brosser ici au cas où nous serions un petit peu en retard pour ne pas avoir à le faire une fois là-bas. Puis je ne sais pas trop comment il va se comporter, donc ça va être tout ou rien je pense. Soit il va être très bien, soit il va légèrement paniquer ou même beaucoup. Enfin bref, je dis au revoir à Josh et nous filons donc vers l'embarquement. Une fois arrivé sur place, je me rends compte que nous avons un petit peu d'avance. Je décide donc de le faire gentiment brouter. Je sais que certains sont déjà en détente, mais au lieu de les regarder, je préfère faire brouter mon petit cheval, qu'il se détende, etc., etc. Il y a un petit pâté d'herbe, c'est plutôt agréable et il a l'air content. Après l'avoir fait brouter et attacher au vent, je file donc me changer avant de le seller. Comme ça, il restera moins longtemps avec la selle, le temps que je puisse me préparer gentiment. Me voilà fin prête, je vais lui ôter ses protections de transport. Je vais donc pouvoir lui mettre la selle et le tapis gentiment. Après, nous allons le rendre en détente. Et voilà. C'est vrai qu'il est tout beau comme ça. Bon, il a un petit peu des oreilles d'âne avec les pions, mais ça lui donne un petit charme. Je vais donc gentiment commencer ma détente. Je me suis mis dans un coin plutôt isolé afin que nous soyons tranquilles tous les deux. Et qu'il ne panique pas. Je ne pense pas qu'il soit encore habitué à beaucoup de monde autour de lui, même si lors des courses, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs et d'autres chevaux. Je détends gentiment, il a du mal à venir se poser sur la main, et j'ai du mal à gagner en décontraction. Ce n'est pas évident. Au pas, tout va bien. Après, au trot, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais bon, nous allons faire ce que nous pouvons. Et je vais essayer de gagner en décontraction au fur et à mesure de la détente. Je n'hésite pas à beaucoup, beaucoup transitionner. Afin que Wonder Moon soit réactif à mes demandes. Je termine ma détente gentiment au galop. J'ai fait une très très grosse détente, pas compliquée, basée sur la décontraction et encore la décontraction. Je pense que là ça va être le maître mot. Je retransitionne au trot et lui redemande un départ, un petit peu tardif, mais il part quand même correctement sans accélérer. Il ne m'a d'ailleurs pas fait une seule accélération, je suis très contente de lui. Hop, nous allons passer comme ça et un petit départ au galop. Et voilà, ça passe très très bien. La reprise n'est d'ailleurs pas compliquée. Je vous en montrerai quelques bouts, mais pas en entier parce que sinon ça va être très très long. Allez, ça va bientôt être à notre tour. Je laisse donc souffler 5 minutes et me rapproche vers la porte du manège. D'ailleurs, nous avons commencé à travailler au niveau des portes et des ponts. Et il commence à se calmer. Et c'est mon tour. Du coup, c'est parti. Il s'ouvre un petit peu dans la transition au trot, un petit peu flottant au niveau du doublé. Vous voyez, ça fait un peu du droite-gauche, ce n'est pas vraiment dans la rectitude. Mais bon, on va faire ce que nous pouvons. Il me fait un arrêt pas trop mal, mais malheureusement, il se secoue. Donc il se remonte au niveau de son attitude. Nous avons une petite diagonale à faire jusqu'en E, avec une transition au pas sur la diagonale. Malheureusement, encore une fois, un petit peu flottant, j'ai du mal à vraiment le garder dans la rectitude et je pense que nous arriverons après eux. Il devait faire 5 à 6 foulées de pas, malheureusement, je crois que j'en ai fait 3 à 4. Nous allons donc perdre des points bêtement sur cette figure. Et en effet, j'arrive après eux, encore des points de perdus. C'est assez dommage, mais bon. Ici, nous allons avoir à nouveau un arrêt en cas. Chose qu'il me fait correctement, il ne s'agit pas et nous repartons. À nouveau, nous avons une autre diagonale avec un départ au galop en bout de diagonale. Il part correctement et sur le bon pied. Bon, on sait que SSO, les chevaux galopent que sur un seul pied, donc on va dire qu'il est au galop à droite. Et ensuite, en C, nous avons un grand cercle de 20 mètres. Je sens que mon cheval passe derrière mes jambes, du coup je relance un petit peu, mais malheureusement je sors de tracé de mon cercle.
Du coup, il n'est pas très très rond à un endroit, il est un petit peu trop élargi. Cette fois-ci, grande diagonale au galop, avec une transition au trot en X, et un départ au galop à gauche cette fois-ci, en bout de diagonale. J'ai du mal à faire mes tracés correctement, comme je suis très axée sur la décontraction, du coup toujours un petit peu flottant. J'essaie de demander mon départ une fois, il ne part pas, mais ça ne s'est pas vu. Et après, il part très bien. Et à nouveau en A, nous aurons un cercle de 20 mètres, comme effectué précédemment à l'autre main. Je ne peux pas lui parler, du coup j'essaye discrètement de lui caresser un petit peu l'encolure quand il fait des bonnes choses et qu'il reste serein. Mais je suis très satisfaite pour le moment de son comportement. Exercice très difficile pour lui, il y a une petite amplitude, une diagonale au pas moyen. Normalement le cheval est censé descendre, mais lui pas vraiment. Il est un petit peu descendu, mais pas comme ce que les juges recherchent. Heureusement c'est une petite épreuve, du coup ça ne devrait pas me coûter trop de points. Malheureusement il s'arrête, mais là du coup j'ai dû perdre des points. Et c'est la fin de la reprise, du coup nous enchaînons sur le doublé, qui avait un demi-cercle avant, une transition au trot après le demi-cercle, et un arrêt en X. Et voilà pour le dressage. Après le dressage, du coup, je sors en moins 34,5, ce qui me fait équivaut à une note de 66%. C'est dans la moyenne, ce n'est pas excellent, ce n'est pas mauvais, c'est dans la moyenne. Du coup, nous nous plaçons en 7ème position sur 15 partants, donc vraiment en milieu de tableau. Je suis quand même contente parce qu'il y a eu de bonnes notes, surtout dans le travail au galop et dans le travail au pas, mis à part le pas moyen où nous avons eu un 4 suite à son arrêt. Et dans le trot, du coup, ça manque vraiment de souplesse et de décontraction, comme ce que je ressentais. Mais au moins, nous avons des pistes de travail grâce au protocole qui a été noté sur la reprise de dressage. Je me dirige gentiment pour détendre à l'obstacle. Donc nous commençons par cette petite croix au trot où il se décale très très fort à droite. Je devrais donc corriger ça à l'autre main. Ensuite, ce petit vertical avec une haie qu'il fait extrêmement bien. Là, il n'y avait vraiment rien à redire. Il a très bien sauté. Il était bien droit, bien au milieu. Et pour clôturer notre détente, je vais sauter le vertical avec le petit mur en soubassement. Obstacle qu'il m'avait refusé d'ailleurs à la première fois que je l'ai monté. Il vient très bien, il se décale un peu de ma faute parce que je ne verrouille pas assez mes aides extérieures, mais c'est bien pour lui. Et c'est le moment. Du coup, je vais vous filmer le parcours de CSO dans son intégralité. Nous allons gentiment commencer par ce petit vertical jaune. Alors certains vont jouer le chronomètre, moi pas spécialement, je vise surtout le sans faute. Ensuite, ce vertical sur mur, hop, que j'essaye d'aborder calmement et sereinement, qu'il me passe très très bien. Et nous enchaînons ensuite sur le double, qui ne vient pas très très bien, mais ça passe. Hop, enfin le double, plutôt une ligne. Il me fait ça très très bien. Ensuite, nous tournons devant ou derrière la croix au choix. Mais pour ne pas perdre ma cadence, j'ai préféré tourner un peu serré, qu'il ne s'échappe pas. Pour ce petit vertical où il s'échappe, et que je suis obligée de reprendre très très fort. Pour ensuite venir sauter l'obstacle jaune, tranquillement au petit galop. Certains ont coupé entre la ligne, mais moi je préfère passer derrière pour aborder l'obstacle sur haie un petit peu plus haut. Hop, je regarde bien à droite. Pour faire mon tournant correctement, je bouge un petit peu mon cheval pour qu'il soit réactif. Et je récupère gentiment pour aborder cet obstacle. Et il n'en reste plus qu'un qui n'est autre que ce vertical violet. Du coup, tout se passe bien pour le moment, je suis très très satisfaite. Et c'est très très bien, nous sommes sans faute sur le CSO. Je suis très fière de lui, nous allons aller voir ensuite notre classement, si j'ai remonté ou pas du tout. C'est la pause, et oui, notre cross a lieu cet après-midi parce qu'exactement, ils nous ont mis le cross à Fairgrove parce qu'il y a pas mal de grosses épreuves et donc ça aurait pris trop de retard. Je décide donc de gentiment marcher un petit peu mon cheval, de le faire brouter et tranquillement. Concernant notre classement, nous sommes remontés à la 5ème place sur 15 partants grâce à notre sans faute. En effet, les deux concurrents devant nous ont fait tous deux une barre, ce qui nous a permis de remonter de quelques places. Je ne vise aucun classement d'ailleurs à ce jour, je vise seulement d'avoir un cheval calme, serein, bien dans sa tête et qui aborde les difficultés tranquillement, sans se stresser ni se presser. Nous allons aussi détendre tout à l'heure dans la carrière de sable au niveau de chez Andy. Je trouve cet endroit plutôt bien, il est assez grand, il y a tout ce qu'il faut pour détendre. Après avoir préparé gentiment mon petit cheval,
Du coup, je ne vous ai pas dit dans quelle épreuve nous étions engagés. C'est un complet d'entraînement, du coup, il n'est pas officiel. Donc, nous avons fait un complet qui équivaut à une club 2. Ayant ma licence amateur, je ne peux pas aller en club. Du coup, c'était un bon moyen de tester ses capacités. Les obstacles vont environ à 80, 85, voire 90 cm. Mais c'est tranquille, ce n'est pas très haut. Et de toute façon, c'est pas la hauteur qui le dérange du tout. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu dans les parcours, que ce soit du dressage, de l'obstacle et du cross à venir, et ce que vous aimez chez ce cheval si vous l'aimez bien, ou au contraire si vous trouvez que je me suis trompée en l'achetant. Je ne lui fais pas une trop grosse détente, il a déjà un trot bien dynamique, etc. Il a déjà aussi la détente du dressage, le dressage à étendre du saut et le saut dans les pattes, il faut donc l'économiser au maximum. Lors de ma détente au galop, je m'entraîne à bien varier l'allure, pouvoir accélérer, récupérer, repartir, récupérer et ainsi de suite. Chose d'ailleurs qu'il fait plutôt bien, mais je crois qu'il est aussi un petit peu fatigué, donc forcément un peu plus à l'écoute, mais c'est pas l'écoute vraiment faite par le travail. Là c'est l'écoute faite par un petit peu la fatigue, du coup ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais donc stopper là pour la détendre sur le plat et sauter rapidement quelques obstacles. En premier lieu, j'aborde cette petite brouette au petit galop. Très bien. Ensuite, je vais tourner pour sauter directement la botte de paille au galop moyen. Je récupère et transitionne gentiment, puis caresse. Puis je vais ressauter une botte de foin de paille directement au galop moyen. Très bien. Je récupère. Je vois si je peux repartir et je peux repartir. Je vais donc gentiment le laisser souffler en attendant notre passage. Et voilà, c'est à nous. Je sens que mon cheval est vraiment impatient, il veut y aller, mais je le retiens, le temps que le départ nous soit donné. Il n'est pas très très sage et s'impatiente de plus en plus. Et c'est parti, yeehaw ! Tranquillement, tac, je mets tout de suite un petit peu de galop, et après je récupère gentiment. Et c'est le départ. Hop, je mets tout de suite un bon galop de départ, qu'il comprenne qu'il y a un train à avoir, mais niveau vitesse, je ne me fais pas de soucis. Je prends le temps de récupérer au petit galop, même si c'est très très lent, afin de pouvoir aborder convenablement le petit obstacle qui est juste ici. Et je repars au galop moyen, ça passe très très bien. Et nous avons le second qui est lui juste en face, très bien aussi. Pour le moment, nous sommes sans embûche. Nous avons également ce troisième obstacle. Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des obstacles très très hauts. C'est une très petite épreuve. Je repars à aborder l'obstacle suivant, qui se passe très très bien sans encombre. Je relance un petit peu tranquillement pour aborder celui-ci où je ne récupère pas parce qu'il est de très petite taille. Là il y a un petit travail de tracé, je m'oblige à récupérer. Ça a zigzagué mais ça passe et je repars. Tapatam, patapam, pat. Ici j'ai eu peur qu'il se fasse surprendre parce que ça vient très très vite malheureusement. Hop, ensuite nous avons une espèce de petite bouclette à faire qui est un petit peu improbable, hein, j'ai envie de dire, pour ce genre d'épreuve, avec ce petit tronc et cette combinaison de racines. Je prends le temps de repasser au petit galop pour aborder ça calmement, et ça passe, et on repart. Ensuite, une descente, je récupère un peu dans le tournant, et je repars pour sauter mon obstacle, très bien, et on continue au galop comme ça, gentiment. Et on continue dans la montée, où là, je suis obligée de lui mettre quand même du galop pour qu'il ait la force de le faire, puis de récupérer, et de repartir pour sauter cette petite racine. Et on continue avec ce tronc. Bien sûr, l'autre tronc n'est pas dans notre épreuve, il n'est pas pour nous. On doit seulement le contourner. Derrière, nous avons une petite combinaison avec deux troncs enchaînés. Ça zigzag, j'ai du mal, mais ça passe. Il saute vraiment en se décalant de ma faute. Et on continue comme ça, gentiment. Cette racine aussi, également à sauter avec le tronc derrière. Ce sont vraiment des obstacles très très bas, il y en a beaucoup. Nous traversons gentiment le pont. Nous allons aussi devoir faire celui-ci. Patapam patapam. Et l'arrivée est bientôt à nous. Et nous voilà bientôt arrivés où il faut passer ce petit contrebas. Bon, il me fait un énorme saut, s'arrête un peu et repart. Il nous reste juste une racine où je viens très très mal dessus, mais ça passe. Et nous fonçons vers la ligne d'arrivée de ce cross. C'était super. Je suis très très fière de lui. Et nous voilà revenus du concours. Du coup, je vais le faire brouter un petit peu avant de lui faire les soins, de le doucher, de lui poser des bandes, etc. Donc je vais vous raconter un petit peu, du coup, le résultat.
Or le résultat n'est pas fameux puisque nous prenons 7 points de temps au cross parce que nous étions en retard, en effet j'ai trop soigné, ce qui nous redescend donc à la 9ème place sur 15 participants. J'ai envie de dire la place est plutôt un détail, je suis juste très fière de lui, après c'est à moi d'apprendre à le travailler avec plus de vitesse et pas constamment au petit galop parce que c'est là où j'ai pu perdre des points. Néanmoins, nous avons eu des encouragements du jury pour un premier concours. Ils ont dit que c'était prometteur et que ce cheval avait l'air d'avoir de grandes facilités, surtout sur le cross où c'est un véritable guerrier. Le dressage risque d'être son point faible à cause de son trot et par le fait qu'il ait du mal à allonger son pas et à se descendre convenablement. Le CSO, on va devoir quand même travailler parce que là, ça va que le parcours était petit. Mais sinon, vu sa technique, il y a du travail à faire, donc de la mécanisation à l'obstacle, etc. Mais très encourageant pour un premier petit complet ensemble. J'effectue donc les soins, je prends soin de bien lui doucher les membres, le fait qu'il n'ait pas de cailloux au niveau des sabots. On passe à l'autre côté. On finit par un bon gros pansage, évidemment, c'est très important. La pose des bandes de repos. Puis je vais donc prendre soin de le remettre dans son box. J'espère que ce petit vlog concours avec Wonder Moon et moi vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !